ostéopathe, naturopathe. Plus curieux, à ce moment-là, que le personnage avait beaucoup de cordes à son arc. J'ai donc voulu le rencontrer pour échanger avec lui. On a pu discuter et il est devenu le très facile de l'ouvrage des points gâchettes. Guy Roulier s'intéresse surtout au bien vieillir et met en application des méthodes, des clés pour y parvenir. Il est l'auteur récemment d'un ouvrage sur l'inflammation silencieuse. C'est cette thématique qu'il vient nous proposer aujourd'hui. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Guy Roulier. Merci beaucoup. Alors tout d'abord, je vous mets à l'aise. Je ne suis pas enroué. Je n'ai pas le coronavirus. Simplement, il y a 10 ans, j'ai eu un cancer de la base de langue. Et je suis très heureux aujourd'hui d'être parmi vous parce qu'à l'époque, on ne me donnait que 30% de chances de survie à 3 ans. Voilà, donc je suis doublement heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour vous transmettre le fruit de 9 mois de travail qui est ce livre sur l'inflammation. Pourquoi j'ai fait ce livre sur l'inflammation? Moi, je suis praticien, je suis kinésithérapeute au départ, ostéopathe, naturopathe, et rien ne me prédisposait à écrire un livre sur l'inflammation. Je suis praticien, je suis un manuel, je ne suis pas un écrivain. Enfin bon, j'aime bien transmettre. Mais en fait, ayant subi cette maladie il y a 10 ans, j'ai vécu toutes les étapes de l'inflammation. Et en fait, j'étais victime de cette inflammation, puisque le cancer est le stade terminal d'une inflammation qui se développe sous cancérisme. Voilà, donc l'inflammation silencieuse, j'ai mis comme sous-titre « Source de 80% des maladies fonctionnelles, chroniques et dégénératives ». Pourquoi j'ai mis ce thème « fonctionnel » ? Tout simplement parce que ces maladies fonctionnelles, les mal aimées, les mal connues, les mal soignées, celles qu'on néglige, mais qui, lorsqu'elles sont négligées, font le lit des maladies chroniques, dégénérative, grave. Elle permet le déclenchement des maladies auto-immunes qui, grâce à l'épigénétique, on peut empêcher l'expression des gènes, donc empêcher l'apparition de ces maladies, même si génétiquement on était prédisposé. Alors je vais simplement vous donner une définition, non pas de la santé par l'Organisation Mondiale de la Santé, mais celle de la santé durable. La santé durable, pour moi, c'est l'avenir du système de santé. C'est celui qui lie la santé de la Terre et la santé de l'homme. Car nous sommes intimement reliés, puisque la moindre molécule de notre corps provient de la Terre, de l'air ou de l'eau. Donc la santé durable, c'est bien sûr un état de bien-être physique, mental, social et environnemental, et non pas transitoire, mais maintenu tout au long de la vie, grâce à un mode de vie sain, associé à des conditions de vie saines, enrichissantes et épanouissantes, favorisées par l'accès à des ressources et à des soins appropriés de qualité, utilisés de façon efficiente et responsable. Et ça, c'est vraiment une mission extrêmement difficile. 2 milliards de personnes qui sont malades de surcharge alimentaire, de malnutrition et d'autres de sous-nutrition et de pénurie d'eau et de pollution. Alors ce que je voudrais, c'est insister sur ces 3 volets de la prévention. La prévention, c'est la vraie médecine. Donc la prévention primaire, c'est celle qui doit être développée au niveau de l'enfance, mais également chez l'adulte et chez les personnes du troisième âge, pour éviter l'apparition de maladies facilement évitables grâce à l'hygiène vitale, grâce à des bilans de dépistage de la naissance à la sénescence. Et au sein de la Chambre nationale des professions de la santé durable, que j'ai cofondée il y a déjà quelques années, nous organisons des opérations pilotes de dépistage au niveau notamment des enfants. Nous l'avons fait au niveau d'un collège, il y a quelques années, ça avait été un véritable succès. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce que grâce à ce dépistage qui était effectué par des kinés ostéos, nous avons pu
pu déceler chez 15% des enfants des troubles de la statique qui font le lit des maladies de l'adulte, des maladies ostéo-articulaires. Donc c'était des pieds plats, c'était des problèmes d'ATM, c'était des problèmes de décentrement de l'axe de gravité. Voilà. La prévention secondaire, ça c'est vraiment, c'est ce qu'on appelle les soins en général. Mais dans un état d'esprit qui consiste à corriger vraiment les causes et non pas les symptômes. Si vous corrigez les symptômes, et si la cause reste, eh bien la maladie va rebondir, va revenir, va se chroniciser. Et donc, là encore, des bilans périodiques sont essentiels. Chez les pratiquants du sport, tout baigne. Ils comprennent tout de suite, ils sentent leur corps, ils font attention à eux, ils écoutent, ils suivent les conseils. Le non-sportif n'aime pas l'exercice, a tendance à ne pas faire attention à son alimentation. Les bilans périodiques devraient être, à l'ordre du jour, devraient être, je dirais, institutionnalisés dans les entreprises, au niveau des associations. Bref, chaque personne devrait bénéficier d'un bilan périodique comme notre voiture bénéficie d'un contrôle technique tous les 2 ans, après 4 ans. Enfin, la prévention tertiaire. Cette prévention tertiaire est capitale et c'est vraiment, si on peut dire, le parent pauvre de la médecine. Parce que passé 60 ans, eh bien, on est retraité. On considère que, bon, on n'est plus tellement utile, donc on n'a pas besoin d'être aussi bien entretenu, etc. Eh bien, c'est une énorme erreur parce que, en fait, 60 ans, c'est quoi ? C'est la moitié de la vie potentielle, puisque le potentiel vital est de 120 ans et même plus. Donc, il faut, si on veut, et ça c'est vraiment le but que je me suis fixé pour le restant de ma vie, parce que tel que vous me voyez là, je suis en pleine forme, et j'ai 75 ans, donc 3/4 de siècle. Ça fait 10 ans que j'ai eu un cancer. Et j'ai l'intention de vivre jusqu'à 100 ans, en étant utile et en continuant à faire des conférences. Et c'est pour ça que je suis très heureux d'être là, parce que ça me prouve que je suis encore performant et j'essaie de transmettre des informations utiles pour tous. Donc ce qui est important, c'est le maintien de l'autonomie, qui coûte une fortune à notre société. Le maintien de l'autonomie, eh bien ça passe par l'alimentation, bien sûr, on en a parlé tout à l'heure, mais ça passe par l'entretien physique. Et c'est de ça que je vais parler. Donc, soit en long cours, ça c'est vraiment fondamental. Moi, je vois beaucoup de personnes, j'ai une patientèle qui a vieilli avec moi, j'ai des patients que je soigne depuis 40 ans. Certains entre 90 et 100 ans. Mais je les maintiens en bon état. J'ai un petit couple, lui, il a 94 ans et elle 92. Lui, il fait son jardin, elle s'occupe entièrement de sa maison, elle met tous les légumes bio, bien sûr, en conserve, et ces personnes n'ont besoin de personne. Ils sont totalement autonomes, et c'est ce que je souhaite à beaucoup de nos contemporains qui, malheureusement, ne savent pas qu'il y a quelque chose à faire, et pourtant, ce n'est pas si difficile que ça.